C'est parti pour placer les objets. Alors, donc, on va aller récupérer différents trucs. Donc, il va nous falloir les barres d'alu, l'adhésif. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ah, un appareil photo, des assiettes, balai, deux balais. Or, la base de baseball, bocal de chimie, je le vois pas, un peu de bois. On a ce qu'il faut en bois, c'est pas ça qui manque. Voilà. Tout ça, ça nous intéresse pas. Une petite boule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, une bouée de sauvetage. Un petit peu de béton, canne à pêche, pourquoi pas. On va récupérer les capsules au passage. On rigole pas avec ça. Le petit cendrier dans les toilettes avec le cigare à côté. Un petit crayon pour mettre sur son bureau. Un enjoliveur. Ah, une fusée miniature. Un globe. Alors, on n'hésite pas à mettre ça aussi. Les nettoyants. Un ours en peluche. Dans le lit de Sean. Un crâne, un petit biberon, petite voiture. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre? Ah, il y en a quand même des items à mettre. Par contre, j'ai pas vu tout ce qui est magazine, donc ça doit être sur moi. Alors, ce qu'on va faire, on va tout poser ici. Hop. Oh là là. Il va y avoir un de ces bazars. Je pense que les magazines, ils doivent être sur moi. Bah, ils sont où? Parce que je vais pas mettre les grognacs, les trucs comme ça. Ah. Ah non, je peux pas mettre ça. Voilà. On va tous les mettre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les notes, non. Ok. On a du boulot. Alors la bouée. Faut qu'on la mette sur les caisses comme ça. J'aimerais bien qu'elle soit de côté aussi. Voilà, comme ça. Les assiettes empilées. Dans le magazine. Hop, on saute pour éviter de taper dans tout. Le béton sur l'étagère. Voilà. Hop, à le pousser. Appareil photo. Alors ça, on peut le mettre ici. Voilà. L'adhésif. Loupé. Magazine. Hop. Regardez, tout de suite, en fait, les objets, si on n'en met pas, c'est une scène à moitié finie. Ça va finir que je vais me faire recruter par Bethesda pour que je fasse les maps. Plus ça serait possible ça. Moi ça me dérange pas de réaliser en plus les scènes comme ça, c'est sympa je trouve.
dans Azordian, j'en suis pas à ce niveau-là, mais... Quand je vais y être, je vais être content. Hein. C'est moi qui vous le dis. Ah, la scène est rend bien. Alors, les assiettes, je sais plus où on les a empilées, voilà. Si. Voilà, un peu de travers, comme ça. La boule. À côté des télés. Ah, voilà, la canne à pêche. Ça, ça va être hyper important. C'est ce qui va rendre le placard, en fait, intéressant. Quand on va galérer à la placer. Oula. Je sais pas ce qui bouge, mais... J'ai entendu les bruits d'objets qui se déplaçaient. Essayer de rentrer la pointe dedans. Bon, tant pis, on la placera pas. Ah, le crâne. On peut le poser là, le crâne. Enfin, j'avais comme idée de le mettre ici. Ah non, sur la table de chevet. Ça fait bizarre, mais je trouve ça sympa. Non, mais imaginez, vous dormez à côté de ça. Oh là là, c'est horrible. J'ai vu aussi qu'il y avait une étagère sur laquelle il n'y avait rien. J'arriverai pas à prendre mon morceau d'adhésif, je crois. Bon, le balai, on devrait pouvoir le rentrer. Faut qu'il y ait au moins un balai dedans. Assez chaud de les placer. Est-ce que doit y avoir une touche pour changer... Ah, voilà. Voilà, après on va le lâcher. La physique va faire le boulot. Cet adhésif-là, je peux pas le prendre. Encore un magazine. C'est nickel. Ça fait plein de trucs à lire, comme ça. Hein? Tu veux aller aux toilettes? Bah vas-y. Ah non, elle va dormir dans mon lit. Ça, ça va pas du tout. Donc on va mettre des jouets ici. Parce que je peux pas les mettre en plein milieu du passage. Sinon, à chaque fois que un PNJ va passer ou que je vais passer, ça va tout défoncer. Ah, voilà. Alors, on va essayer de le mettre un peu plus au centre, comme va pas y avoir grand-chose sur l'étagère. On va pouvoir mettre ça en dessous. J'avais prévu de le mettre près du truc de bébé, mais on va pas pouvoir. Ah, voilà, nickel. Le globe. Il y a toujours un globe qui traîne quelque part. Non, bah nickel, ah bah j'aurais pas fait mieux alors. La base de baseball. Voilà. Alors le petit biberon. On va le poser ici. Comme on a rien. Alors le bois. Difficile à le voir quand même, le bois par terre. J'ai l'impression que ça fait partie du sol. Hop. Ça, on va pouvoir le mettre au-dessus. Ça va pas énormément se voir, mais on voit des petits trucs qui dépassent. Voilà. Et puis voilà, pour moi, cette scène, elle est finie. On va faire un petit tour. Aïe. Il y en a encore là, des trucs. Aïe, il y en a encore là aussi. Si on va le mettre là, celui-là on va le rajouter sur le bureau de Mama Murphy. Casser la scène ici. Ah, faut qu'on fasse gaffe après. Ah, l'ange Oliver. Ouais, c'est ça. Tu vas pas me faire croire ça. Voilà.
pas de marcher un peu. Il faut qu'il y ait une récompense au bout. Ah, on est... Bah, on va... Si, j'allais dire, on n'est pas prêt d'y retourner en aventure, mais... On va falloir qu'on y aille pour trouver du cuivre. Surtout, j'aimerais bien équiper tous mes PNJ, parce que l'autre jour... avec Vavandavan, on s'est tapé un délire, on a tué tout le monde. Mais il n'y a eu aucune résistance, quoi, dans la ville. On a attaqué la ville, en fait. Ils ont essayé de se défendre, mais ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'armure... Ah voilà, ça c'est bon. Des fois, faut juste laisser la physique faire son boulot. Poser un deuxième crayon. La vision. J'ai jamais écouté, j'en ai rien à faire. Eh bien voilà, la scène, pour moi, à l'entrepôt, il est totalement fini. On va regarder vraiment en ensemble une fois fini. Voilà, en plus, il y a la lumière qui clignote, on se demande ce qui se passe dedans. Tout de suite, on voit ça avec le berceau. Si on regarde à l'intérieur, ouais, ça rend pas mal. Par là, on peut rien voir. Si on peut voir ici. Ouais, même de l'extérieur, ça rend bien. Ici, le fait qu'on est fermé. Avec la petite grille, j'ai même pas fait exprès, mais du coup, on voit un petit peu l'armure assistée. Là, les tonneaux. Si le petit distributeur que je trouve magnifiquement bien placé ici. Intérieur, ok. Quelques outils. Ça manque un peu de bazar quand même. On va en rajouter tout de suite après. Ça, c'est cool. Là, c'est bien rempli. L'entrepôt à l'intérieur, ok. Il y a un peu de bazar. Ici, il en manquerait un peu. Malgré, faut pas trop en mettre. Sinon après, ça va faire bizarre. Ici, c'est bien rangé. Fait vraiment le petit bureau, quoi. Là, le petit couloir avec le petit casier là. Qui est pas trop rempli, mais suffisamment. Ici, la chambre. La chambre, je la trouve bien. Et ici, la petite salle d'attente. Avec les toilettes. Ah, y a de l'eau. Il y a de l'eau. C'est pas mal. En haut, je me demande si on peut y aller en haut. Faudra qu'on regarde. Ça peut être intéressant. Et... Pardon, Kate. Un magazine. Tiens, je disais qu'il n'y avait pas assez de choses. Voilà, ça suffira. Alors maintenant, faut qu'on rajoute des objets ici. Un tout petit peu là. Et ça sera parfait. Alors par contre, là, je commence à être à court d'idées en objets. Il nous faudrait des outils. On va remettre un peu d'alu. On peut remettre un balai là dans le coin qu'on a vu. Il nous faudrait des outils en fait. Ça serait... Ah, quelques bouteilles. Ça peut le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Ça devient compliqué là. Ah bah. Par contre, ça coûte hyper. Ah non, c'est bon, ça coûte pas trop cher, donc on va les mettre. Cartouche de cigare. Ah, c'est ça qui coûte cher. On peut s'en mettre un, voilà. Bah, je crois que c'est tout. Après, on a plus rien d'autre, d'après mes souvenirs. Non, les engrenages, ça en aurait été des vrais, ça aurait pu le faire. De la fibre balistique, on peut en mettre un peu. Puis bah voilà, c'est tout. Ah, le pinceau. Ça aussi. Oh, on arrive à trouver quelques trucs quand même. Voilà. C'est de la merde. Ah, les commentaires sympas de Kate. Pourquoi il y a une canne à pêche encore? Elle va pouvoir rentrer ici, je pense. Ah bah nickel! Bon, si elle tient debout. Ça, la canne à pêche, je crois que ça restera l'objet le plus dur qu'on ait eu à placer.
Voilà. Ah ça, ça c'est magnifique. Je pensais pas que c'était aussi gros, mais ça va bien ressortir. Alors je le vois bien ici, vu que c'est un gros truc. Le balai, là-bas, dans le coin. Si j'arrive à le faire tenir debout, bien sûr. Or, je sais pas s'il y avait des outils ici au début, mais si on les a retirés, c'est vraiment dommage. Or, j'arrive à faire des trucs que si j'aurais voulu, j'aurais pas réussi. Bon, la bouteille, on va l'acheter par terre. Ah mince, on a récupéré celle-là, c'est pas grave. Alors l'adhésif, on n'en posera plus parce qu'on n'arrive jamais à les mettre après. Ça, on peut le mettre là. Ça, le pinceau. On va le mettre ici. Bon, par contre, je suis à moitié en train de mourir. Tout à l'heure, déjà, j'ai mangé, j'ai bu. Là, le jeu, il me redemande encore. Voilà, une petite carte qui traîne ici. Une autre carte qui traîne là-dessus. Alors, voilà, un peu plus à l'évidence. Comme ça, c'est très bien. Les cigarettes qu'on ne peut pas prendre. Ah si, c'est bon. Qu'on va poser. Faudrait qu'on les pose un peu derrière l'armure assistée, ça serait parfait. Voilà. Alors, il y a vraiment des bruits sonores bizarres. Bah là, ça commence seulement à devenir prospère, parce qu'avant, c'était l'austérité totale. On va en mettre deux ici, des fibres. Hop, et puis le petit cigare qui va traîner. En plus, je crois que ce cigare-là, il devait aller dans la salle d'attente. Ah, sur la chaise. Voilà, parfait. Et là, là on est bien là. On voit tout de suite les petits objets qui traînent. Là à gauche ça fait un peu plus de bazar, en plus le pied ça en rajoute. La bouteille qui traîne au sol. Ça manque encore un tout petit peu d'objets. Si un jour on a un truc sympa, on viendra le mettre. Bon, on va aller ranger tout ça. Je trouve qu'il, par contre, en mode survie, j'ai l'impression qu'il récolte bien tous les trucs et tout. Parce que là, je crois qu'il n'y a pas... Ou alors le jeu, c'était un bug qui récoltait pas automatiquement. Parce que là, on n'a pas fait de récolte depuis longtemps, quoi. Ou alors, ça pousse pas vite. Bon, pour moi, on a fini l'entrepôt. Ça m'a l'air super. Enfin, c'est pas que ça m'a l'air, c'est que c'est super. Je regarde une dernière fois, voir s'il manque des trucs. Sinon, bah, pour moi, c'est fini. Si vous avez des petites idées, comme d'habitude, n'hésitez pas. On en discutera et puis si c'est vraiment pas mal, on les rajoutera. Il passe entre les voyants, ok, j'avais même pas vu ça. Bon, et bah nickel, sur ce, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis, liberté !